Et salut à tous, c'est Vortex. Yeah! Je poste et on est parti pour une petite présentation de mon shotgun. Oui, je l'ai toujours. Et je l'ai modifié depuis le 13 mars 2021. Depuis le 13 mars que je l'ai posté, j'ai posté une vidéo. Je vous avais montré le shotgun que j'avais fait, je crois, là longtemps, ouais, parce que là, on est le 20-04, oui. Je sais pas si ça fait longtemps, mars. Non, ça fait pas. Ça fait longtemps, oui. Et j'ai fait une grosse modification sur le shotgun. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà la bête que j'ai modifiée, que j'ai rallongée encore. Il est encore beaucoup plus long quand on le met comme ça. On voit bien qu'il est beaucoup plus long qu'avant. Que je l'ai encore rallongé. J'ai modifié un peu le haut. J'ai fait beaucoup d'autres trucs. J'ai mis le viseur qui est tout au bout. J'ai rajouté ça. Du coup, ça fait les petites gâchettes. J'ai rajouté les bords pour que ça fasse mieux. Parce que vous verrez dedans là des trucs et ça. Vous verrez que ce truc jaune là, il était ici avant. Mais lui, il y était toujours, mais c'est plus comme avant le système. Et du coup, les balages ont changé aussi. Et dedans là, un ressort. Des bonnes balles. Dedans, c'est toujours le même truc, mais sauf que là, un nouveau système. Ça. Eh bah ouais, ça se clipse et là, un ressort. Je vais vous montrer le système. D'abord, je vais un peu le démonter. Attends, je vais le démonter devant vos yeux. Si j'arrive à pas tout exploser. Attends, je vais faire ça. C'est beaucoup plus simple de le démonter comme ça. Voilà le système. Juste avec un ressort ici. Vous appuyez. Hop. Truc qui recule et du coup ça fait ressort. Et je vais vous montrer l'autre système qu'il y a dedans. Il faut juste un truc pour enlever. Juste un peu casse-pied. C'est un peu casse-pied. Hein. Je crois que je vais le péter, je vais enlever la poignée. Hein. Vous inquiétez pas, c'est juste pour pas la faire tomber. Parce que j'ai eu des belles surprises quand des fois je vais démonter moi. Voilà. C'est ce que je voulais faire, sauter la pièce. Oula, je la démonte un peu loin là. Oups. Voilà, ce n'est rien. Et voilà le système pour les balles. Attends. Ce serait peut-être mieux là. Voilà le système. Les petits ressorts. Je sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai changé parce que le système d'élastique, il était un peu banal. Du coup, j'ai rajouté ça. Et ça. Ça, c'était avant ça. Je vais retirer ça parce que vous l'avez en pleine face. Voilà. Et du coup, c'est tout compact. Et dedans, j'ai changé de canon. J'ai mis une barre en travers comme ça. Et du coup, le canon, tu vises, c'est comme ça. Et bon, on passe au remontage. Hop. Hop. Et cette pièce, ça m'a pris un peu longtemps à la faire, cette pièce-là. Parce que je devais faire le trou dedans.
Et voilà, c'est remonté. Du coup, on va pouvoir remettre ça. Et voilà. Maintenant, ça se clipse et ça s'enlève plus. C'est beaucoup mieux comme ça parce que le système, j'ai dû me creuser la tête pour le faire. Et du coup, maintenant, c'est comme un vrai shotgun. On a juste à appuyer sur un truc, mais qui est pas au bon endroit. Hop, ça tient. Puis chichi. Ça tient bien. Alors, on va s'arrêter là pour la présentation de mon shotgun, la dernière modification que j'ai faite. Salut, c'était Vortex. Peace.